cidre, calvados, pommeau. Approchez, messieurs, dames, c'est la route des étalons 2014. Qu'est-ce que vous voulez, messieurs? D'accord, merci beaucoup. C'était combien, en fait? Non, c'était pour rien. Vous êtes bien ici à la route des étalons, j'épaule monsieur pendant quelques secondes. La route des étalons 2014, ça commence ici, au Haras du Mézeray. Toujours un grand privilège de vous accueillir. C'est Christine Duterte qu'on aura le plaisir tout à l'heure d'entendre et d'écouter. Allez, pour la route des étalons, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mutatir, vous le connaissez, c'est donc un fils de El Mahmoul. On est dans la lignée de d'Isis Sharpen Up. Alors Mutatir, gagnant de groupe 1, bon, c'est déjà un vieux souvenir pour lui, mais il est toujours d'actualité avec sa production. En 2013, il a produit donc une gagnante de groupe 1 à 2 ans, s'il vous plaît, indonésienne. Il a produit également une gagnante de groupe 2, Grace Lady, et un groupe 3, Silas Marner, élevé, qui plus est, au Haras du Mézeray. Voilà. Mutatir, donc... bien sûr, il n'y a pas que ces chevaux-là. Hein, on a également, des chevaux gagnants tous les jours. Hein. Je crois qu'en 2013, on doit avoir plus de 80 victoires... produite par environ 60 vainqueurs. Donc voilà, là je crois qu'on est quand même dans un étalon sérieux, solide. Il est bien évidemment dans le top des étalons français. Enfin, c'est pas le top. Le top en 2013, c'était bien sûr Motivator. Mais ce qui est intéressant avec Mutatir, c'est qu'on a beaucoup de vainqueurs, une multitude de vainqueurs, et puis bien évidemment un étalon qui s'affirme en plat, en obstacle, pardon, également. Voilà. Alors justement, Christine, les étalons des juments, des juments tri-obstacles, il y en a de plus en plus aussi avec Mutatir. Absolument, on a maintenant une clientèle d'obstacles bien établie, et les éleveurs d'obstacles ont compris que Mutatir constituait un choix judicieux pour leurs juments, bien évidemment, au vu de ses résultats en obstacles. Voilà. Et l'an dernier, combien de saillies pour lui, pour Mutatir? Alors Mutatir a saillie 114 juments l'an passé, ce qui était une bonne saison. Donc là, le cheval va, à mon avis, connaître également une bonne saison, compte tenu des résultats qu'il a eu en 2013. Bon, vous voyez le modèle, hein, c'est un cheval harmonieux. C'est un cheval d'un très bon caractère, vraiment un tempérament top. Donc, il est vraiment un cheval, je pense, en qui on peut avoir confiance sans problème. Voilà pour Mutatir.